Bonjour Emilio, Bonjour. bonjour tout le monde, je suis heureux qu'aujourd'hui on peut parcourir l'exposition Molenbeek avec l'artiste Emilio Lopez Mencheiro ici dans le lien. Emilio est une artiste d'origine espagnole qui habite et qui travaille à Bruxelles depuis quelque temps, je pense, Emilio. Et il fait de la recherche sur l'identité dans ses œuvres, sa propre identité, mais aussi l'identité de l'artiste. Et il toujours travaille d'un engagement social dans différents médias, comme des interventions dans la vie, des dessins, des photographies, des performances, des peintures et des sculptures et des installations. Récemment, il a eu quelques expos, par exemple à Malines, dans le garage, une exposition qui s'appelait From Mol to Molenbeek. Il a aussi une exposition à l'INICC à Anvers et dans la Centrale for Contemporary Art ici à Bruxelles. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Emilio? Non, mais bon, peut-être on en parlera peut-être après, mais par rapport à Molenbeek, puisque l'exposition de Philippe, c'est Molenbeek, justement, j'ai fait une performance, justement, à l'entrée de Molenbeek avec le Checkpoint Charlie, donc où j'ai fait une réplique du Checkpoint Charlie. Donc, un petit peu, c'est pour introduire la question, justement, du titre de l'exposition. Oui, mais je pense que c'est très intéressant de parler un peu sur votre projet là à Molenbeek. C'était en 2010, Oui. si je suis correct. Et c'était, Oui. vous avez fait une intervention dans la ville sur la frontière de Molenbeek et le centre de Bruxelles. C'est Oui, correct? oui. Oui, tout à fait. En fait, j'ai un peu détourné un festival qui se voulait un festival un petit peu, comment dire, pour remontrer toute cette zone de Bruxelles sous un autre aspect, un peu. Ça s'appelait Canal, en fait. Il y a tout un grand projet pour améliorer l'aspect du canal et pour rendre le canal vivant et non pas seulement un endroit industriel. Surtout que Molenbeek a énormément changé. Je me souviens encore que dans les années 80, c'était encore assez industriel. Je dis les années 80, donc 85 par là. Et c'est juste le moment où ça changeait et toutes les entreprises du canal ont commencé à aller beaucoup plus loin. Ah, je vois une sorte de Oui. ça qui. Et donc, justement, j'avais été invité pour faire une intervention, et donc on attendait un peu des artistes de faire quelque chose d'un petit peu ludique, ou etc. Et je me suis dit, moi j'ai mon atelier à Molenbeek depuis 2007, c'est à la rue Rancefort, et je voyais la différence entre un côté et l'autre côté du canal. Et en plus, ce qui est très étonnant en Belgique, oui, en Belgique, parce qu'en fait, dans à peu près toutes les villes belges, il y a ça. Ce qu'il n'y a pas en France, c'est qu'au fond, que souvent, les quartiers migrants sont au centre de la ville. Hein. Par exemple, en France, tout le problème des Français, c'est de les avoir à l'extérieur de la ville. Donc, il y a toute cette histoire de Molenbeek. Et donc, on est à quelques pas de la bourse et du centre-ville, quoi. Donc, voilà. Et donc, moi, ce que simplement j'ai fait, c'est dire voilà, qu'il y avait une frontière, mais de prendre une frontière qu'on a un peu oubliée déjà de l'histoire à ce moment-là. Bon, on était à quelques. C'était donc en 2010. On avait un peu oublié 1990, le mur, la chute du mur. Et simplement, une réplique très, très, très exacte. Et j'ai fait ça avec des jeunes du quartier du Checkpoint Charlie, qui était le poste frontière américain. Je me suis habillé en policier américain, en policier militaire américain, style d'ailleurs le costume de Corée, enfin l'uniforme de la guerre de Corée, parce que c'était l'uniforme qu'ils avaient. Et j'ai arrêté toutes les voitures. Donc pendant 3 jours, j'ai arrêté toute circulation et je demande. Et au lieu de demander des papiers, je donnais des papiers, je donnais un journal qui expliquait l'histoire du Checkpoint Charlie.
Donc ça a été, mais ça a été très, à la fin, ça, le checkpoint, la cabane a été brûlée, le drapeau américain a été jeté dans le canal, le drapeau soviétique, j'avais mis exprès un drapeau soviétique pour faire une sorte de, allez, d'équilibre. Il a Mais été volé, lui. Il oui. est maintenant dans un bar, un Mais c'est très polonais. intéressant ce que vous dites parce que c'était aussi une performance qui parle de l'isolation en fait de cette communauté de Molenbeek dans laquelle où Vandenberg travaillait pendant 4 années de 2006 jusqu'à 2009 et votre performance c'était en 2010 donc pas trop longtemps après. Et c'est aussi cette sorte d'isolation où dans cette communauté, c'était aussi quelque chose que Vandenberg sentait beaucoup. Oui. Il pr se promenait à Molenbeek, il avait des conversations avec ses voisins, mais il voyait aussi beaucoup donc, la pauvreté dans la communauté, la rupture entre les gens plus conservatifs et les gens progressifs, la rupture entre la religion modérée, plutôt modérée, et la religion plutôt fondamentaliste. Et aussi, Vandenberg travaillait avec tous ces aspects quand il rentrait son atelier. Vraiment, il a créé dans ses dessins une sorte, ce que je nomme, site imaginaire hein, Oui. dans lequel il ne va pas seulement introduire ce qu'il a vu à Molenbeek même, mais aussi ce qui se passe dans le monde entier, comme la guerre entre les Géorgie et la Russie, la Palestine et l'Israël, l'Amérique et l'Irak. Donc il va tout mélanger, faire des liens entre ce qu'il se passe à Molenbeek à cet instant et avec ce qui se passe dans le monde. Oui. Mais vous, en travaillant à Molenbeek, vous n'avez jamais vraiment connu Vandenberg pendant sa vie, si je suis Je l'ai correct. peut-être une fois rencontré dans des, mais je l'ai pas vraiment connu, non, non. Mais son visage m'est familier comme quelqu'un que j'ai rencontré dans les vernissages ou voilà, à l'époque. Et vous m'avez raconté que votre première expérience avec Vandenberg, c'était dans l'exposition à la Maison Rouge à Paris, c'est vrai? Disons, de manière un peu plus profonde, vraiment le travail, et j'étais accompagné à ce moment-là, parce que je préparais justement l'exposition de la Centrale, je crois. C'était à la Maison Rouge, avec, donc, où on, et c'était effectivement la première fois où je pouvais voir aussi ces petits dessins, enfin ces dessins, des choses plus intimes, et j'étais avec Karine Folle, qui l'avait bien connue, elle, et donc qui est une spécialiste de l'art brut, en fait, aussi, hein, qui a fait son doctorat sur l'art brut. Et donc, elle me montrait, et alors, ce que je trouvais très, très intéressant, c'est justement de rencontrer l'œuvre comme ça, c'est-à-dire par quelqu'un qui voit, qui a une position par rapport à cette question de la différence, une œuvre comme celle de Philippe, qui a quelque chose d'extrêmement. Qui a quelque chose à voir avec le psyché, certainement. Mais ça m'intéressait doublement parce que ça avait à voir avec le psyché, mais de l'autre côté, ça avait à voir avec quelque chose de beaucoup plus public, justement, avec la politique. Donc, je ne savais pas à l'époque que son atelier était à Molenbeek, mais je rentre comme ça et je commence vraiment à m'intéresser à son travail, oui. Et là, on avait aussi à Paris, dans la Maison Rouge, ces murs avec des dessins où nous sommes maintenant dans l'exposition. Donc maintenant, on est pour une petite introduction dans la première salle avec tous ces grands slogans, mantras presque. Oui. Ça vous touche, ces dessins? Oui. Alors, il y a une chose que je trouve très intéressante, c'est qu'il dessine ses lettres. Donc, et il dessine ses lettres comme des logiques de structure, hein, comme une sorte comme un échafaudage, comme une architecture. Oui.
Ça, c'est une chose. Et après, il joue avec ça. C'est-à-dire que ce sont des structures qu'il déstructure quelque part sur le tableau. C'est ça qui crée justement toute sa composition et le dynamisme de sa peinture. Mm-hmm. Parce que je pense, ça c'est peut-être très important, c'est qu'il faut vraiment voir son travail comme un travail de peintre. Parce que le sujet, le cœur du sujet, n'est pas tellement ce qu'il dit dans le slogan, mais dans la façon comme il le fait. C'est-à-dire que le slogan, il le répète comme un leitmotiv, hein, on le voit dans plusieurs endroits. Évidemment, le contenu est important, parce que c'est un contenu généralement assez dramatique, ou comme une sorte de revendication de l'individu par rapport à la société, hein, lançant comme ça, comme une sorte des sortes de mots d'ordre, comme ça, pour aller à la bataille, pour aller à la bagarre, pour quelque chose qui est souvent lié à une forme de cri. Parce que les tout premiers dessins, c'est ceux qui étaient justement dans la salle avec les sculptures de Berlin de Bruegger, qui étaient sur le mur. Et j'ai vu ça vraiment comme des cris. J'étais avec Karine, qui l'avait bien connu, dit « Oui, ben c'est vraiment ça, quand on l'a bien connu, on comprend cette ce type de calligraphie qui est qu'une calligraphie. Quand je dis calligraphie, c'est comme une écriture, et on en avait parlé, qui est comme des griffes sur la surface, dessinées presque perpendiculairement. Donc le crayon est perpendiculaire, et je t'avais expliqué que à l'académie, j'ai vécu à Vienne en Autriche pendant une dizaine d'années, j'allais à une académie de dessin. Et une professeure nous disait, il ne faut pas dessiner comme Egon Schiele, parce qu'il prenait son crayon perpendiculaire à la feuille. Ce n'est pas comme ça qu'il faut apprendre. Parce qu'effectivement, Egon Schiele avait cette façon aussi de griffer sa feuille en ayant son crayon perpendiculaire, et qui fait un type de trait très particulier. C'est comme graver dans un certain sens. Comme graver, exactement. Et est-ce que vous sentez dans ensemble de 65 que c'est lui qui crie presque tous ces mots et sentences, ou est-ce qu'il donne aussi une voix à la population de Molenbeek? Comment est-ce que vous voyez ça? Mais c'est-à-dire, je pense et je comprends, parce qu'il y a quelque chose aussi chez lui de la récupération d'objets. De surface, hein, il prend des cartons par exemple, il fait des trous dans les cartons et il dessine sur des choses qu'on trouve effectivement dans les poubelles et dans les rues à l'époque, plus non, et même encore maintenant on peut trouver comme ça des matériaux très simples avec lesquels il donne. Donc il y a, je ne sais pas si il c'est un peu plus particulier que simplement donner la voix à la population. Je dirais plutôt, c'est comme s'il faisait un écriteau, tu sais, dans les manifs, dans les manifestations, quand on écrit quelque chose et on part avec son écriteau. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ces tableaux sont un peu comme des panneaux, de manifestations, comme ça. Comme des étendards. Oui, c'est vrai. Et vous avez parlé sur ces objets trouvés. Je propose qu'on va parcourir l'exposition un peu jusqu'à ces boîtes en carton que Van der Meer utilisait pour, de nouveau, faire des œuvres, mais avec des objets trouvés. Ah, j'explique un peu. Je vois là une petite phrase, « Tuons le chien aujourd'hui et pas demain. » Et pas demain morte. Oui. Alors, il y a une chose, on en avait parlé aussi, je crois, avant qu'on commence avec les cartons, c'est les langues qu'il choisit. Ça, c'est aussi très étrange, parce qu'il prend l'anglais et il prend le français. Quand on entend le néerlandais, je n'ai pas trop vu de choses écrites en néerlandais, qui est sa langue. Et l'anglais, c'est comme des slogans, le français, c'est parfois beaucoup plus personnel, parce que... Il m'avait raconté cette histoire avec son père qui faisait de l'élevage de chiens de race, et que parfois il demandait à son fils d'aller tuer les chiens parce qu'il faut faire les lignées et tout ça. Et que ça avait évidemment traumatisé, ce que je comprends. Mais voilà, ici, un grand amour suffit. Il y a quelque chose, c'est drôle, qu'il utilise le français pour la partie plutôt émotionnelle, personnel, psychique, comme une sorte des révélations. Oui. C'est un peu comme dans John Lennon, quand il fait
Le Mother, hein, la chanson Mother, où c'est une sorte de thérapie, comme ça, il y a quelque chose de thérapie. Et tandis qu'en anglais, c'est plus comme, effectivement, cette langue internationale et comme slogan politique. Mais j'ai une question, Emilio. Vous êtes aussi, je suppose, bilingue ou trois langues ou quatre langues. Est-ce que vous avez aussi des préférences dans l'utilisation de la langue quand vous écrivez des choses? Est-ce que vous faites aussi une différence entre l'espagnol ou l'anglais ou le français? Je crois que dès qu'on est dans le domaine de l'art, dans le domaine de la création, c'est presque comme automatique parce qu'on utilise ça comme on peut utiliser de la couleur ou comme on peut utiliser toute autre chose ou un concept, etc. Par exemple, quand je fais des tableaux, les titres sont le choix me viennent presque souvent les titres me viennent comme ça, un peu spontanément, parce que le tableau a raconté quelque chose peut me venir très facilement, par exemple, un mot en espagnol. Je sais qu'il a une connotation plus exotique ici. Mais justement, je travaille à partir d'ici, à Bruxelles, à Molenbeek même. Et je travaille à partir d'ici, et quand des choses viennent comme ça, ben, il y a ou le français, ou l'espagnol, ou le néerlandais, souvent le néerlandais, étrangement, parce que je fais tout un travail sur des souvenirs d'enfance, et je suis né à Mol, dans la campagne. Et donc, toutes ces peintures que je fais pour le moment ont à voir avec des souvenirs de cette époque, entre 2 et 10 ans, quelque chose comme ça. L'époque d'ailleurs où je décide d'être peintre d'ailleurs. Et donc voilà, les langues ont de l'importance, elles donnent une couleur, c'est quelque chose qui a à voir avec le type de choses qu'on a envie de dire à ce moment-là, aussi... Donc ça a une importance. Aussi avec des références, je peux m'imaginer le français a des relations avec la poésie française, la littérature française. Donc, je pense que Vandenberg, quand il utilise le français, fait aussi référence à les choses qu'il a lues, parce qu'il a lu beaucoup en français. Mais on est maintenant devant ces boîtes, et ce que je trouve toujours intéressant, et j'ai aussi parlé avec les autres artistes sur cet aspect, c'est le fait que Vandenberg, qui est plutôt connu comme un artiste peintre et dessinateur, va commencer à utiliser des autres matériaux ou un autre médium. Et c'est aussi quelque chose qui est très visible dans votre œuvre, que vous faites des expériments avec plusieurs des médiums, soit le dessin, la peinture... les performances. Et ce que je trouve intéressant, c'est la décision de quel médium d'utiliser pour un certain message ou pour un certain projet. Oui. Bon, là, il est très cohérent. C'est la question du support, effectivement. Dans mon cas, c'est-à-dire j'ai une formation d'architecte. Et donc, quelque part, j'ai toujours dit que ma surface fondamentale, c'est l'espace urbain à la base. Les choses ont évolué, effectivement, j'ai plutôt différents types de projets. Je pars à partir de projets, par exemple, les trying to be, des personnages, donc c'est de la photographie. Je ne suis pas photographe, mais je suis plutôt performeur, je dirais. Et je me fais photographier. Il y a effectivement des choses qui peuvent. Je suis arrivé. En fait, il y a des choses qui sont effectivement liées à la question du support. Et chaque support a sa temporalité. Et je suis d'ailleurs revenu à la peinture en achetant un atelier à Molenbeek. Et je savais que là, j'allais commencer à faire un grand retour dans mon travail. Ça faisait longtemps que je n'avais plus pris de pinceau. Je les faisais de temps en temps, mais je ne montrais pas. Et je me dis, bon, maintenant, je vais me réattaquer à ce problème qu'est la peinture. Parce que en plus, dans ma génération, on ne peignait plus. Dans les années 90, beaucoup d'artistes arrêtaient, ou alors ils ne faisaient que ça. Donc, être peintre ou ne plus être peintre était un des grands sujets. Comme à une autre époque, c'était être figuratif ou être abstrait. Oui, oui.
Et donc, je vois une très grande cohérence. Ils changent de support. Quand je vois les boîtes en carton, ils changent de support. Moi, c'est carrément de médium. Lui, il est toujours peint tout le temps, mm-hmm. quelque part, même en prenant ce support-là. Il continue son écriture picturale. Mm-hmm. Dans mon cas, j'ai fait tout un retour. Moi, j'appelais ça un retour en arrière, mais c'est faux. C'est un retour en avant. Oui, je dirais, oui. Pour aller chercher quelque chose en arrière, c'est très bizarre. Mmh. Donc c'est comme si je faisais une régression pour certains, mais c'est pour moi c'est en fait le contraire. Oui, c'est intéressant. Ouais. Les œuvres qu'on voit maintenant qu'on va voir, ce sont ces fameux dessins avec Reviens Adolphe, nous t'aimons. Et oui. On montre spécifiquement ce dessin avec les taches, avec du thé et des avions. Parce que cette œuvre vous intéressait, n'est-ce pas? Oui, mais là je ne les vois pas. Hein. Je vois encore les boîtes. Et oui. Aussi. Bon, il y a un certain retard sur le broadcast. Il y a un retard. Oui, c'est drôle à ce propos. C'est que justement, j'ai eu une conférence il n'y a pas longtemps liée à Strombeck, au projet de Strombeck de Joël Turlings. Mm-hmm. Et j'avais invité des copains peintres. Ils m'ont dit: ah non, je ne peux pas parler de la peinture sur un médium comme, je sais pas, Facebook, Instagram, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Et ça me rappelle une exposition, ah, je vois maintenant les dessins, une exposition que j'ai vue justement aux Beaux-Arts de Per Kirkeby. Oui, oui, oui. Et donc, il y avait tous les tableaux de Per Kirkeby, mais il y avait une salle qui était dédiée aux tableaux de Kurschwitters. Yeah. Oui, oui, oui. Les tableaux amateurs, c'est-à-dire que ce n'était pas le Kurschwitters qu'on connaît avec les Merzbau, mais c'était des paysages qu'il avait fait quand il était exilé en Norvège, des paysages de montagne classiques, enfin classiques, naturalistes, et naturalistes romantiques, comme ça. Et donc, il y a. Attends, Emilio, je t'entends. Donc, c'était les travaux interdits. Ah oui, oui. Ou montrez pas. Ah, je t'entends de nouveau, ah, oui, Emilio. Oui, parce... un peu, donc, je recommence. Ah oui. Oui, tu m'entends? Oui, maintenant nous t'entendons. Oui, c'est bien. Oui, oui. Oui, on a été coupé. J'ai vu tout à coup ton image se geler. Donc, et alors, il disait que c'était les peintures interdites de Schwitters. Pourquoi interdites? Parce que c'était les tableaux qu'il ne montrait pas, comme une double vie, comme ça. Hein? Parce qu'il montrait justement les Merzbau et tout son expérience de type dadaïste. Enfin, dadaïste. Oui. Et donc, il y avait en plus quelque chose qui était écrit. Il disait, Kirkeby disait, la peinture est un art par essence démodé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la retransmettre avec les moyens de communication modernes, téléconférences et tout ça. Mmh. Je trouvais ça formidable parce que ça cassait complètement le problème de est-ce que la peinture a une raison d'être ou pas, mmh. parce qu'elle est démodée d'office. Donc c'est vraiment une belle attaque au principe de la modernité du fait qu'il faut parfois, où on éliminait la peinture comme un médium de l'ère contemporaine. Oui. Et est-ce que vous trouvez que cette idée a des liens avec ce qu'on voit maintenant, est-ce que c'est oui. pour vous une peinture ou c'est un dessin ou est-ce que c'est quelque chose, ni un dessin ni une peinture? Ah. En tout cas, pour le moment, je le vois comme ça, mm-hmm. sur l'Instagram. Pour moi, c'est une image. Oui. sur place et que je l'ai vu en vrai, oui, je sais pas, aïe, c'est parti. C'est pour moi, je dirais, je suis plus proche du monde de la peinture avec ça. Mm-hmm. Évidemment qu'il y a le dessin, parce que d'abord c'est un support papier, etc., il y a la question du dessin, mais la façon comme le dessin est utilisé est quelque chose qui est plus lié au monde de la
peinture, des questions d'espace, hein, même si ensuite c'est des processus et la façon de fabriquer ce qu'on voit là, mais il y a énormément la question du dérapage de la tâche et du hasard. Oui, oui. Tu peux avoir ça en dessin, mais ce n'est pas du design, c'est vraiment c'est plus quelque chose de l'ordre du liquide. Et vous avez aussi parlé de créer une espace en 3D, on peut presque dire. Oui. En partant de cette tâche du thé et puis le couvrir avec des figures, des textes, ça donne immédiatement une idée de perspective. Oui, mais surtout que c'est quelque chose qui se fabrique. C'est tout un. On voit qu'il y a plusieurs moments où il est venu intervenir. Il y a comme des humeurs différentes dans, et c'est justement le mélange de ces humeurs ou de ces moments de sa vie qui font qu'il y a une sorte de sédimentation, de superposition de différentes choses qui crée cet espace. Je dirais ça plutôt comme ça. C'est-à-dire oui. que l'œil ne s'ennuie jamais parce qu'il trouve toujours quelque chose où il s'accroche. Et oui. il y a des choses qui sont en dessous, des choses qui sont devant. Les couleurs, en plus, créent cet espace. Automatiquement, quand il y a une tâche, il y a une illusion. On n'est plus sur la surface plane du papier. Non. C'est pour ça que pour moi, ça a à voir énormément avec la peinture. Oui. C'est une question de peinture. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette série de dessins, c'est la figure d'Hitler. Hitler est très chargé, la figure d'Adolf Hitler, mais en même oui. temps, c'est un symbole. Ça s'agit plus sur cette figure historique d'Hitler, mais plutôt sur l'idée du mal absolu. Hein, pour Vandenberg, oui. j'ai l'impression que la figure d'Hitler sert comme un symbole du mal absolu. Et oui. ce qui m'intéresse, c'est le fait que vous aussi jouez ou travaillez dans vos œuvres avec ces figures très chargées, très symboliques, qui sont presque des icônes comme Arafat, par exemple, ou des peintres fameux comme Goya. Il y a un des plus mal absolus que j'ai fait comme personnage, c'est Marc Dutroux. Oui. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Pourquoi un artiste utilise quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, ni d'entendre, ni même de réécouter, parce que c'est le mal absolu. C'est différent de faire une croix gammée dans un cimetière, comme parfois on entend quand il y a des graffitis. C'est pour ça que le support est très important, et de le faire de telle façon, en sachant très bien que quelque part, à un moment donné, ça va être vu avec une distance, c'est-à-dire par exemple dans un musée ou dans une salle d'exposition. Les signes, l'endroit où les signes apparaissent ont énormément d'importance parce que l'intention est, devient alors quelque part explicite. Dans le cas justement, dans mon cas par exemple avec le Marc Dutroux, c'était lié à une exposition où c'était la Belgitude, autour de la Belgitude. Laurent Durcel était le commissaire, c'est un artiste assez comme ça provocateur, et il demandait à toute une série d'artistes de faire des choses autour de la question des choses qui se sont passées en Belgique. Et donc, automatiquement, et d'ailleurs c'était la période où Philippe arrive à Molenbeek, il y avait eu l'affaire Dutroux, etc. Et donc, j'ai dit, comme provocation, sachant très bien où ça allait venir, et en sachant très bien que si un jour on devait me poser une question, notamment les personnes qui ont été touchées par ce mal absolu, par Marc Dutroux, il y a ce truc justement que je faisais moi, je me transformais en Marc Dutroux, mais c'est faux. C'est-à-dire que l'important, c'est que c'est faux. Oui. C'est une photo qui est normalement comme une preuve, dit, ah, c'est la preuve de la vérité. Non, cette photo... Justement, c'est pas Marc Dutroux, c'est l'artiste lui-même. Et donc, ça se montre à des endroits bien précis. Ce n'est pas le premier degré du graffiti dans les cimetières ou dans les profanations qu'on a vues en France ou autre. Donc, ça, c'est important.
Et donc, il y a une distance. Et je crois que chez Philippe, cette distance, elle provient que de la façon comme il dessine la chose, c'est-à-dire, c'est un peu comme une caricature, mais presque enfantine. En fait, c'est un peu presque comme les dessins qu'on fait sur les pupitres à l'école pendant qu'on s'ennuie, parce qu'on s'ennuie en écoutant le professeur. Mmh. Il y a quelque chose comme ça où on peut, ou comme les gros mots ou les trucs dans les portes des toilettes. Oui, oui, oui. Il y a comme ça des espaces. Et donc, il a comme ça, c'est un peu comme les cartons qu'il va chercher. Eh bien, prendre, faire des graffitis comme ça de Hitler, c'est un peu comme prendre c'est toutes les choses des poubelles, en quelque sorte, de notre culture, en quelque sorte. Vous le voyez comme comme Van den Berg essaie de créer une certaine distance de cette figure plutôt que s'impliquer dans la figure d'Hitler, comme vous avez fait avec Marc Dutroux. Oui, disons que malgré tout, ça arrive. Je crois que chez lui, c'est mon interprétation, il y a l'utilisation de ces symboles du mal, c'est parce qu'il parle d'un autre mal. Et qui est un mal personnel, une sorte de souffrance de quelque chose. Mais c'est un peu, parce qu'on en avait parlé, il est plus jeune que Tapies, il est d'une autre génération que Tapies, intermédiaire, mais il provient quelque part d'une même type de culture, cette culture un peu d'une sorte d'expressionnisme, mais aussi presque calligraphique. Oui. Et Tapies, il faisait des croix comme ça. Et lui, il vient avec l'autre croix, cette croix du mal, par exemple. On peut le montrer peut-être, le grand dessin. Oui. Donc voilà. Ouais. Je suis en train de le chercher. Oui, il est ici. Donc. On entre dans l'espace. Maintenant, on est vraiment en face de cet très grand dessin. Revient au thème avec Hitler, avec les deux têtes d'Hitler, c'est ça? Mais maintenant, on est en face de ce grand dessin qui a de lien avec la figure ou l'art de Tapies que vous avez parlé. Ah oui. Donc, on voit vraiment une immense, presque un tableau, mais c'est en fait... Oui, oui ce grand tableau sur cette feuille que vous avez trouvée par hasard quasiment, elle était au-dessus de une longue comme ça et qui raconte une histoire terrifiante, presque comme ce qui est sous-caché dans les contes d'enfants, qui est très chargé, donc une petite fille, donc si on lit, alors c'est intéressant parce qu'en faisant avec les couleurs, on parlait de ça aussi, il a un peu une beauté dans la façon comme il écrit, qui est comme celle que de l'écriture dyslexique. Parce que d'un côté, il y a cette terrible histoire qui est rencontrée sur ces grands, très grands dessins. Oui. Mais à l'autre côté, on voit comment ces mots ou ces lettres ou ces sentences sont aussi au même temps transformées dans des motifs qui ont une place dans une certaine composition, ici dans la composition de ces dessins. Donc, il y a toujours cette tension entre le fait que ce sont des mots avec une signification, mais à l'autre côté, sont aussi des formes visuelles qui occupent une certaine place dans une composition. Et est-ce que vous trouvez ici des liens avec Tapies, aussi dans cette idée de la culture écrite avec la littérature? Oui. En fait, je crois que là, on avait parlé de Tapies en voyant ceci parce qu'on avait vu des croix ci et là. D'ailleurs, il y a ces croix aussi quelque part chez Beuys.
Donc, évidemment, qui est le plus, qui c'est un signe élémentaire, fondamental de notre culture. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est intéressant aussi dans cette pièce, bon, il y a donc cet aspect, effectivement. Donc, il y a ce truc immédiat, un peu de marquer, de faire de marquer par un signe, et ce signe est reconnaissable, universel, et il apparaît ci et là, comme dans le cas de ta pièce. Mais chez ta pièce, disons, lui, c'est une autre époque, il est plus lié à la question de l'abstraction expressionniste. Il est un peu un précurseur de l'arte povera, et il y a aussi chez ta pièce quelque chose de l'ordre de l'art du primitivisme qu'il y a chez Picasso. Enfin, il regarde Picasso. Chez Philippe Vandenberg, et ici notamment, il y a un autre élément, c'est que c'est écrit aussi comme les enfants écrivent. C'est un peu comme une plasticité qu'on voit dans les écoles maternelles, hein. Les jeux d'enfants, les couleurs, il joue, il se met à un niveau, et en même temps, le contenu du texte est terrible, hein, et il fait peur. Donc, il y a quelque chose de cette innocence, fausse innocence, parce que dans le fond, il fait ça, mais il sait très bien qu'il va produire une plasticité visuelle, des va-et-vient dans l'espace, et donc des liens, parce que il y a par exemple le jaune, il va apparaître à tel endroit, on va faire d'autres liens. Donc, à première vue, on ne comprend pas tout de suite la phrase, puis on a une deuxième lecture, on la comprend et on voit qu'elle se répète. Parfois, il y a même des chevauchements entre les lettres qui font qu'on a l'impression que c'est un mot qui vient dans l'autre, hein, la fin d'un mot qui devient ensuite le début de l'autre, par exemple. Et puis, les couleurs qui font d'autres liens, ah oui, alors il y a ces lettres-là qui vont avec ces lettres-là, et on commence à plus s'occuper des lettres, mais simplement finalement de s'occuper simplement de l'espace que produit cette pièce, en fait. Oui, ce que nous avons aussi parlé, c'est le fait que on a tendance à comparer Philippe ou l'œuvre de Philippe aussi avec celle de Cy Twombly. Oui. Et je pense qu'on regarde les quatre dessins à l'autre côté. Oui. Cette ressemblance est plus claire. Hein? Les deux artistes utilisent des mots et des sentences et des lettres dans leur art visuel. Oui. Mais ce qu'on a dit en parlant de cette comparaison, c'est le fait que dans l'œuvre de Twombly, il n'y a aucune agressivité ou il n'y a ou que Twombly est plutôt un flâneur. Oui. Et Vandenberg, à l'autre côté, a une certaine urgence, une certaine agressivité de communiquer son message. Et je pense que ça, c'est le plus grand contraste entre l'œuvre de Cy Twombly et de Oui. Vandenberg. Est-ce que tu le penses aussi? Oui. D'ailleurs, je suis en train de lire, je ne fais que commencer un livre, Roland Barthes, Ça a Oui. été oublié. Et donc je l'avais apporté. Et effectivement, il y a une différence, c'est que chez Twombly, d'abord, il vient presque effleurer la surface, donc il vient griffer ci et là, mais parfois il ne fait que déposer quelque chose. Il laisse beaucoup de choses latentes, la surface blanche, les matières blanches sont aussi là et elles sont aussi parlantes. Il est effectivement, comme tu dis, un flâneur. Il se promène dans la toile. Il vient de temps en temps lâcher quelque chose sur de petits graffitis qui est isolé et qui revient, qui réapparaît. Il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de légèreté avec des inscriptions qui sont de l'ordre du mythologique, hein, mélangées à des choses plus triviales. Tandis que chez Philippe, il y a le besoin, il y a l'urgence, et donc il remplit aussi. Il remplit, il doit absolument, il remplit et il répète. Il y a une logique de répétition, comme presque. Et la répétition, c'est quelque part une forme de folie aussi, hein. C'est un peu comme entre une folie et une prière, comme ça. Il est comme
ou comme un slogan, comme quand on est dans une manifestation, il faut crier et le dire plusieurs fois pour que ça rentre dans la tête des gens. Il y a quelque, c'est quelque chose de beaucoup plus obsessif comme, comme type d'expression et d'univers, en fait. Oui. Oui, l'ère de Twombly s'agit aussi sur le passé, sur la Méditerranée. Et le, l'ère de Vandenberg, d'une certaine manière, s'agit sur le futur ou le désir d'un autre futur, mais aussi sur l'impossibilité de oublier le passé. Et je pense que de cette dialectique vient l'urgence de l'artiste de quand même communiquer son message. Oui, je crois que chez Philippe, le besoin de marquer, de laisser message est plus présent. Chez Twombly, le message est sous-jacent, il est occupé, il est à une autre époque, il est occupé avec quelque chose de l'ordre du métaphysique, il est occupé aussi avec une sorte d'expérimentation et un type d'esthétique aussi. Tandis que chez Philippe, à un moment donné, il lâche l'esthétique, il a besoin de dire, de crier, de le dire ce qu'il dit. Je crois que il veut se faire entendre. Il veut se faire comprendre. Il ne cherche pas à cacher des messages sous-jacents. Ils sont là. Il y a un message sous-jacent, mais ça, c'est nous qui fabriquons ensuite ce message, nous, le regardeur. Parce que, évidemment, on est devant, au fond, son slogan est comme un objet. Mm-hmm. Et donc, on est devant ça et on se dit pourquoi il nous amène cet objet au regard. Mm-hmm. Hein? Et alors, on se pose les questions, mais il pose la chose d'abord, il dit la chose. D'accord. On va entrer à la dernière salle qu'on va parcourir ensemble. C'est la grande salle avec le dessin de Molenbeek. Hein? Vandenberg l'appelait aussi de Molenbeekse tekeningen. Donc, ce sont tous des dessins que Vandenberg a fait à Molenbeek et qui sont inspirés sur ses promenades de son appartement jusqu'à son atelier. Et c'était une promenade qu'il faisait chaque journée. Et ce qui est clair de ce dessin, c'est que Vandenberg, pendant cette promenade qui dure environ 10 minutes, voyait déjà beaucoup, hein, comme les choses qui se passent près du métro Ribeaucourt, comme la pauvreté dans les rues, mais aussi le dynamisme du métropole à Bruxelles, qui diffère beaucoup avec ce qu'il voyait à Gand. Donc, c'est une série très, très importante pour Vandenberg aussi. C'est une sélection de dessins qu'il a fait lui-même. Donc, c'est une sélection originelle. Et cette série, vous avez touché aussi, est-ce que tu peux expliquer un peu votre intérêt pour ça? Mais d'abord, chaque dessin sont très particuliers, chaque feuille est très particulière, hein? Chaque dessin est très particulier et il y a énormément d'architectures qui apparaissent, donc des dessins de construction presque babylonesque comme ça, comme des sortes de mastaba ou des, mais qui sont faites juste en dessinant des hachures et des lignes. Chose que ce type d'architecture, je le vois aussi parfois dans certains tableaux de Walter Suenen. C'est quelque chose de très typique comme ça. Je crois, ils sont de la même génération, je crois plus ou moins. Oui. Se connaissaient, mais il y a quelque chose effectivement, parce que c'est des architectures qui ont à voir un peu avec l'écriture automatique, comme quand on écoute au téléphone, etc. Mais avec ça, il construit des choses, et effectivement, il parle des actualités. Je crois que j'ai vu un film qui a été fait, une interview que Hans Theiss a fait, où il se dit témoin à charge. Oui, je crois qu'il y a une sorte de journal, effectivement, où chaque jour, apporte une nouvelle, et avec ça, il construit une fiction sur sa feuille. Oui, hein? Tout à fait, c'est vrai. Et donc, il y a quelque chose de journalier, et donc chaque jour n'est pas le même.
Oui, par exemple, ici, voilà, comme des buildings ici, mais l'écriture devient comme un building, comme une sorte de Et taxonométrie ou sont toutes de. des choses très quotidiennes. C'est Sont ça. pas vraiment de grandes choses. C'est presque anecdotique. Mais je pense que le grand pouvoir de cette série de dessins, c'est que Vandenberg peut transformer ces anecdotes dans quelque chose de plus universel. Et de cette manière que tous ces dessins parlent aussi de l'état de Molenbeek à ce moment entre 2006 et 2009. Malgré le fait que la plupart de ces dessins s'agissent sur des choses pas trop grands ou pas trop particuliers, comme des gens qui ont des brosses pour nettoyer les rues de Molenbeek. Oui. Ici, il réfère à Easy Walking. Donc, il décrit comment il marche dans la rue de Molenbeek. Donc, toutes des petites choses, mais nouveau mélangées avec des tableaux des guerres mondiales. On voit par Oui, exemple est-ce qu'il n'y a le pas un tank. dessin où il y a des bombes qui tombent, des Oui, avions? je vous montre. C'est dommage qu'il y ait un peu du retard. Oui, c'est un peu lent comme ça. Ah oui, je vois les brosses. Ça, c'est les brosses, hein, c'est ça? Mais maintenant, on est devant cette petit dessin avec oui, le bombe qui tombe d'un avion. Je ne sais pas si c'est déjà clair sur votre téléphone. Moi, je vois des chiens, easy walking. Ah oui, Easy walking. mais je pense qu'il y a une vingtaine de secondes de retard. En fait, je peux le décrire un peu. Donc, on voit un avion tout en haut du dessin, qui fait un bombardement sur, comme vous avez déjà expliqué, sur une figure presque architecturale, mais très spontanément. C'est pas un bâtiment qu'on peut reconnaître, ce sont des formes abstraites. Ah, oui. Il faut dire que c'était l'époque des tours jumelles du bombardement des deux avions qui avaient percuté, hein. Parce que ça date de quand, en fait, ce Cette dessin? série, ça date de 2007. C'est ça. Donc, on est il faut se dire, oui, c'est ça, on est dans cette période, on est toujours dans les grands. Dans le traumatisme des tours jumelles, etc. Donc, il utilise toute une série de choses entre le quotidien et les nouvelles que tu entends à la radio, en fait, qui sont aussi du quotidien, mais qui sont là et puis et qui reviennent. Ici, je vois, donc, ici, c'est comme des bâtiments, ça peut être des sortes d'usines. Ah oui, c'est les bombes qui tombent. Voilà, et il y a des sortes de. Ça devait être un des multiples bombardements de l'époque, lequel. Oui. Ça peut être que chaque couleur ait un autre pays ou une autre région. Une autre région, il construit. Mais Oui. il construit un type d'architecture dans son. Dans, qui a une sorte de logique de dépliant. Parce qu'on voit ça souvent dans son travail, c'est des sortes de réseaux. Donc il fait des hachures, et paf, il y a une ligne, puis hop, il revient comme ça, ce qui fait un pli, puis hop, il revient. Et reconstruit, donc il crée une sorte de plasticité comme ça, toujours très construite. Il va d'un point à un autre point, comme ça. Oui, comme si c'est aussi un jeu pour lui-même de faire un certain ordre dans son pratique dessinée ou de créer vraiment un ordre pour lui-même. Et puis, je veux vous montrer une dernière dessin et j'espère que ça va apparaître très bientôt sur votre Oui. écran. C'est le dessin avec, en fait, vraiment les deux tours. Et est-ce que ce sont des tours VTC? Je ne sais pas exactement, mais je pense en tout cas qu'il fait une référence à cette tragédie de 9 septembre 2001. Oui. En fait, c'est un très bel dessin. On voit ces deux tours, nouveau Oui. avec ses yeux, et puis on voit des oies qui encercle en fait ces deux tours. Et c'est quelque chose
qui se passe beaucoup dans l'œuvre de Vandenberg. D'une part, vous avez des références à des grandes tragédies humaines, mais à d'autre part, c'est aussi très fait avec beaucoup d'humour. Et avec, oui, il y a une certaine légèreté presque dans ses dessins, avec ses figures d'animaux. Oui, les bâtiments marchent, par exemple. Mm-hmm, mm-hmm. Est-ce qu'on voit des pieds? Parce qu'il y a cette chose aussi de bloc avec des pieds, souvent, aussi. Hein. Mm-hmm. Ça devient... Les bâtiments, l'architecture devient quelque chose qui devient une sorte de figure, justement, qui n'est pas monolithique, mais qui est tout le temps en train de bouger. Il y a ces pieds qui sont là et qui font... les tours deviennent des personnages. Oui. En fait, il jongle tout le temps avec les lignes. Et avec ces lignes, il termine par non seulement écrire, mais animer. On pourrait imaginer dans cette série quelque chose de l'ordre d'une animation entre un dessin et un autre dessin. Mmh. Mmh. Parce que c'est en fait une pensée comme ça, la sienne. Une pensée que je connais. Je travaille parfois comme ça, mais je n'arrive pas. Lui, il est tout le temps comme ça. Il va du coq à l'âne. On pourrait dire, hein, il y a des expressions comme ça, très belles, du coq à l'âne ou de fil en aiguille, ou et puis avec des sauts, des interruptions. Mm-hmm. Alors je crois qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, et puis il y a des choses qui sont liées à des obsessions qu'il a, qui sont des obsessions de construction, de dessins très élémentaires et qui reviennent tout le temps. Mm-hmm. Comme des nouvelles écritures. Et il cherche ça, puis hop, tout à coup, je ne sais pas, j'imagine, mais il entend à la radio le bombardement d'Iran ou d'autre, pof, mm-hmm. Ah, il vient casser, et ça vient casser son habitude, en quelque mm-hmm. sorte. Ces ingrédients qui viennent casser son habitude et qui donnent de nouveau une sorte de rebondissement à son dessin. Oui. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que je vois presque ça comme un journal, mm-hmm. mais un journal aussi de la façon comme la pensée fluctue dans sa tête. Oui, tout à fait. Hein, qu'une ligne, tout à coup, on fait un angle droit, ah, ça peut être un pied. Oui. Bien, ça peut être, ah, et puis je décide. Et c'est la tête qui t'amène vers telle ou telle solution et qui arrive à un moment donné une construction cohérente. Et bon, là, je m'arrête. Oui, de cette manière, la quotidienne lui oblige à créer toujours un nouvel ordre, et je pense que c'est l'évolution de ce carnet de dessin ou de cette de cette série forcée par le quotidien et qui obligeait à lui de toujours recréer une ordre. Mais Emilio, merci beaucoup pour votre temps et parcourir l'exposition avec nous. Nous sommes très heureux d'avoir votre lecture de cette exposition. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose que vous voulez dire à les gens qui ont participé pendant cette visite guidée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est la question un peu difficile parce que je ne vois pas ce que les gens écrivent. Mais si les gens ont encore des questions, je pense encore à une salle qui était intéressante. C'était la salle où il parle de religion parce qu'il crée la Vierge la sainte. Oui. Il y a ce slogan, oui. Mais je vois, Emilio, que c'est déjà 6 heures et normalement c'est une visite guidée de 30 minutes. On peut continuer indéfiniment. Voilà. Oui. Mais en tout cas, les gens sont invités à visiter l'exposition eux-mêmes dans Beaux-Arts. L'exposition est encore ouverte jusqu'à 24 janvier. Donc, on a encore 2 semaines à visiter l'exposition. Vous êtes vraiment le bienvenu. Et je veux de nouveau dire merci beaucoup à Emilio pour avoir nous assisté dans cette tour guidée. Merci, Emilio. Okay. À bientôt. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir.